sale, should I go? It's always taste, 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 taste. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me on your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Les issues seront ouvertes par l'équipage lorsqu'ils se précipiteront pour passer avant vous.
les toboggans se déploient automatiquement, les tourniquets, non. Pour ceux qui ne savent pas nager, veillez à laisser passer les autres avant vous, parce que pour vous, c'est mal barré, donc autant leur laisser une chance. Mesdames, messieurs, je suis votre commandant de voyage, le capitaine Smith. Femme au volant, accident au volant. Nous vous informons qu'il est obligatoire d'étiqueter vos bagages. Nous avons atteint notre vitesse de croisière et nous voyageons actuellement à une altitude de 0 mètre. Un chariot chef express passera avec une sélection de boissons chaudes, fraîches, pâtisseries et sandwichs dégueulasses. C'est du paralal. S'il en est, c'est par la suite abattu sur le mât, déclenchant une réaction chimique d'oxydoréduction. Bien que j'aurais souhaité étudier ce phénomène plus en détail, une meute de sang en furie fortement bouillante a pris possession du navire, m'en empêchant. Le niveau de l'eau a également commencé à dangereusement monter. Dans des termes plus simples, le bateau sombre et moi aussi, tout en l'étant. Il y avait des gens qui criaient partout. On a sauté à l'eau avec Stewart. Il s'est accroché à moi parce que je portais un gilet de sauvetage. Aide-moi ! Mon premier voyage. Et voilà ce qui m'arrive. On m'a dit que j'avais de la chance de partir, voyager autour du monde. Bah, pas de bol, là. La publicité pour ce travail disait « Vous souhaitez voir la mer, sa beauté, ses couleurs, sa senteur ? Optez pour un emploi sur un bateau de croisière. » Mais n'oubliez pas que c'est pour travailler, non pas pour des vacances. Là, c'est vraiment pas des vacances. Et quand ils ont rajouté « Vous serez à l'eau en tout temps, peu importe la température », c'était pas vraiment à ça que je m'attendais. Le nouvel employé doit accepter la discipline, l'espace limité et de travailler avec un sourire au visage, peu importe les circonstances. J'essaye de sourire là, mais ça ne marche pas. Costaud. Bon, bah merci, ça passe sur François Aubert.